Bon ben salut les runners. Bon comme vous pouvez le voir, c'est l'hiver et donc voilà, il fait nuit quand on va partir s'entraîner. Donc là je suis parti pour une séance de fractionner en côte. Donc là, je suis en train de courir dans la campagne et je vais rejoindre un pont d'autoroute désaffecté avec une belle pente. Bon, c'est tout ce que j'ai sous la main pour le moment. Donc ce sera une séance de 15 fois 25 secondes en montée redescente tranquille. Et puis après, retour au bercail. Donc toujours les 20 à 30 minutes d'échauffement avant de se lancer et puis retour tranquille jusqu'à la voiture. Voilà les amis, et c'est parti. Ciao. Bon, je pense qu'on le voit pas, mais le pont autoroutier il est juste là. Hein, vous venez de voir passer une voiture sous le pont. Donc c'est une voie sans issue, hein, c'est désaffecté. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, on peut plus, les voitures ne peuvent plus circuler sur le pont, c'est fini, c'est terminé, c'est un cul-de-sac pour eux. Ah, peut-être que là, on le verra, ce pont. Ouais. Donc vous voyez, les voitures surgissent de derrière le pont. Donc là, ici, c'est la végétation avec le pont, et là, on a le pont. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Il n'y a pas que ça à faire, hein. Il faut y arriver jusqu'au pont. Voilà, nous voici arrivés sur le pont. Donc là, c'est béton, enfin c'est du bitume. Donc, je ne sais pas si on le voit bien le pont. Je vais essayer de l'éclairer, mais bon, on voit pas le fond. Bon, donc le but du jeu, ça va être de faire, de monter 15 fois et descendre 15 fois ce pont. À fond de balle, puisqu'on est sur un fractionné, donc il va falloir monter la vitesse. Et quand on aura terminé, retour par le même chemin jusqu'à la voiture. On aura bien mérité de se reposer un petit peu. Voilà. Allez les amis, c'est parti. Ouh, allez, hop, 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 hop. Allez, on arrive en haut. Voilà. Voilà, là on est sur le pont. On redescend. Ça fait du bien de descendre. Allez, on s'endort pas, c'est parti pour la deuxième. Deux, allez. Ouh. Et voilà. La deuxième est terminée. Et ainsi de suite, donc il y en a 15 à faire. Je vous épargne les 13 prochaines. On se rejoint pour le débrief juste après. Allez, reposez-vous bien hein, pendant ce temps-là. Allez, ciao, à tout de suite. Bon, les amis,
Je viens de terminer la 14e, là je suis en descente pour la 15e. Donc dans quelques secondes, hein, je vais atteindre la marque repère que j'ai placée sur le bitume. Voilà, elle est là, la marque repère. Vous la voyez pas. Bon allez, c'est pas grave. Hop, donc là, c'est parti pour la... C'est parti pour la 15e, les amis. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis pas venu pour les 14 premières. Mais pour la 15e. Yes! Bon ben voilà, on a terminé. Ben finalement ça a été plutôt sympa. Ouais, voire même... assez rigolo parce que courir dans la nuit, courir dans le noir, comme tu vois pas le paysage, t'as l'impression d'être dans une sorte de bulle de noirceur et il n'y a que toi et qui compte. Donc t'es vraiment à l'écoute de tes sensations. Quand c'est comme ça, c'est vraiment surprenant. Voilà, donc 15 fois 25 secondes à fond de balle sur le pont, avec redescente tranquillou à chaque fois. Donc la redescente, grosso modo, elle mettait entre 45 secondes et une minute, hein, j'ai pas compté. Hein. Voilà, donc le fractionné, le principe, c'est de tenir un rythme élevé pendant quelques secondes, 25 secondes, faire 15 fois 25 secondes, ce qui va nous faire à peu près dans les 6 minutes de vitesse max aérobique. Donc du coup ça permet d'avoir un effort soutenu pendant une longue période, hein, parce que si j'avais fait les 6 minutes à fond de balle sur une pente, déjà trouver une pente qui fait 6 minutes de course ici dans le nord, c'est un peu compliqué, mais en plus j'aurais été complètement KO à la fin des 6 minutes à fond de balle. Là ça m'a permis de ménager des temps de pause et finalement d'avoir suffisamment d'énergie pour terminer la séance et puis en plus de retourner tranquillement pour une demi-heure de jogging pour rejoindre la voiture sans être dans le rouge, hein, voilà. Et puis on a travaillé la puissance, hein, voilà. Bon les amis, c'était donc la séance du lundi. Mercredi ce sera une séance plus soft avec une endurance de 45 minutes, voilà, à vitesse tranquille. Et vendredi, ce sera une séance VMA, donc une séance type fractionnée, mais cette fois-ci pas en côte, hein, sur du plat. Voilà pour la semaine d'entraînement. Allez, donc je sais que j'ai été absent sur la chaîne pendant un petit moment, tout simplement parce que mon ordinateur m'a lâché, mon téléphone m'a lâché, ma caméra sport m'a lâché. Donc j'ai racheté un ordinateur, j'ai racheté un téléphone, j'ai pas racheté caméra sport parce que c'est un peu cher. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. À très bientôt les amis, ciao et courez bien.